C'est un procès-verbal à la requête de particuliers. Il y a deux types de constats de grandes familles pour simplifier. Et nous avons aussi le constat dressé sous commission de justice, c'est-à-dire. Ainsi, celui qui est le témoin, grâce à l'autorisation de justice. Allez, Monique a une question à vous poser, Maître Coutant. Bonjour Monique, à Carré le Rouet. Oui, bon. On vous adore. Vous êtes formidable. On votera pour vous. Merci, merci. Désolée, il faut que j'y aille. Me coller à Boitou.
faut que je sois rentrée pour 19h. Bah, on devait dîner ensemble, tu m'avais promis. Hein. Je sais, mais je dois accompagner maman à l'inauguration du nouveau conservatoire. Pourquoi tu lui as pas dit non? Tu m'as dit que tu avais dit non. J'ai merdé sur la négo du supermarché de Pradel. C'est le seul moyen de me rattraper. C'est pas possible, ça. Tu t'arrêtes de travailler au ciel. Oh, tu m'écoutes? Je veux plus qu'on se cache comme des criminels. C'est plus vivable. On ira ailleurs, loin. La solitude n'aura plus prise, ni sur toi, ni sur moi. Je veux vivre avec toi. Tu m'entends? Il n'y a plus que toi qui compte. Ce soir, elle saura tout. Si tu lui dis quoi que ce soit, je te quitte. Tu m'avais promis qu'elle ne saurait jamais rien. Tu m'avais promis. Mais tu vois pas que je peux plus vivre sans toi? Faut qu'on lui dise, Aurélia. Enfin, on peut pas continuer comme ça. Je te quitte. Philippe! La politique est pour tous les citoyens, pour leur donner de l'espoir. La politique, c'est le refus de l'abandon et du renoncement. Je suis une candidate qui marie la réflexion de fond, la présence sur le terrain et la connaissance des dossiers. Je suis là pour tous les citoyens de cette région, pour combattre toutes les injustices. L'impardonnable, c'est de ne rien tenter. Merci, Madame Stark. Ça allait ? Je crois bien que je vais voter pour toi, Olivia. Non, sérieusement, si après ça, la région ne t'élit pas, on déménage, hein. Ah, tiens, t'as ton ange gardien qui t'attend. Oh, je file. Ne m'attends pas pour le dîner. Moi, j'avais déjà fait une croix dessus, hein.
Aurélia? C'est moi? Aurélia? Ah, je suis contente que tu sois là. Grand-père a fait un malaise ce matin. Il ne veut ni aller à l'hôpital, ni appeler un médecin. Il faut qu'on descende le voir, je suis inquiète pour lui. Il se croit immortel. Allez, dépêche-toi de t'habiller, qu'on attrape le dernier ferry. Vas-y, toute seule, maman, j'ai une gastro d'enfer, j'arrête pas de vomir. J'ai dû rentrer en catastrophe et appeler Charlotte pour annuler. Habille-toi. Et ton inauguration ce soir? On s'en fout. Je t'en prie, ma chérie. Je suis sûre que ça va aller. Allez! Tu es prête? Monte devant. Oh, mais je voudrais essayer de dormir un peu, je suis vraiment pas bien. Monte devant. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai besoin que tu me tiennes compagnie, il faut pas m'endormir au volant. Pas ça plus inattendu? Si, c'est très bien. Mais j'ai peur que pour une affiche de campagne, ce soit pas assez classique. Tu as raison. Bon, mais alors qu'est-ce que je mets? Moi, je mettrai la veste grise avec la chemise blanche. D'accord. Mais on va tout de même demander son avis à Philippe, il sait toujours ce qui me va ou pas. Qu'est-ce que tu as, mon bébé? Rien, maman, mais faut que j'y aille. Tu ne restes pas dîner avec nous? Non, j'ai des trucs. Va fêter ses 10 ans et ça va donner lieu à pas mal. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce soutien-gorge dans ta poche?
Allez, raconte. C'est celui que je t'ai offert pour ton dernier anniversaire, non? Depuis que vous êtes séparés avec Antoine, tu ne me parles plus du tout de tes amours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à me reprocher? Il ne t'est rien arrivé de grave? Il ne t'est rien arrivé de grave? Rien m'est arrivé, maman, tout va bien. C'est juste cette gastro. Lâche-moi. Faut que je rappelle Philippe. Pour lui dire qu'on descend chez Marcel, j'ai pas réussi à le joindre depuis ce matin. Oui, c'est moi, je suis avec Aurélia. On descend chez Marcel, il a fait un malaise. Rappelle-moi. Je me demande si ces randonnées ne cachent pas une maîtresse. Et chaque fois qu'il part, il est injoignable. Tu crois qu'il a... Arrête! Arrête-toi! Aurélia! Aurélia! Je sais pour Philippe et toi. Si Dieu existe, il habite là, juste là. Ce paysage, c'est la définition même de l'immortalité. Chaque fois que je me sens déprimé, je viens ici. Et toutes mes idées noires s'évaporent. Et la vie redevient belle. Est-ce qu'il t'arrive parfois de vouloir ne pas être né? De vouloir fuir hors du temps? Pour plus être obligé de vivre avec cette solitude agrippée à toi? Tout le temps. Mais il faut bien vivre. Comment tu peux me pardonner, maman? J'aurais préféré mourir que de te l'avouer. Qu'est-ce que tu t'imaginais? C'était quoi votre histoire si tu ne l'aimais pas assez pour être capable de m'affronter? T'avais bien un avenir dans la tête! Un rêve, non? Ou bien tu attendais juste que je meure? Arrête, tu me fais peur. Tu as peur de moi ou de ce que tu m'as fait? Philippe est mort. C'est de ma faute. Ça serait jamais arrivé si... Tais-toi. J'étais là, j'ai tout vu. Je vous ai suivi jusqu'en haut de la crête. Quand tu es redescendu, j'ai voulu parler à Philippe. En me voyant, il a tourné les talons. Juste après, je l'ai entendu crier et j'ai vu son corps dans le ravin. Tu es arrivé, je me suis cachée.
C'est un accident. On n'y peut rien. On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, il faut assumer. Écoute, au cas où, on va avoir besoin d'un alibi. C'est pour ça qu'on descend chez Marcel. J'ai aussi désactivé nos portables. Au cas où. Allez, viens, faut pas rater le ferry. Arrête-toi là, s'il te plaît, faut que je boive quelque chose. Ça n'est pas prudent. Moins on nous verra, mieux ce sera. Il y a de l'eau derrière. Faut rentrer. Faut rentrer et aller à la police. C'est un accident. Alors t'as pas à avoir peur. On n'a pas à avoir peur. Je peux pas prendre ce risque-là, tu sais très bien. Pas en ce moment. Si je fais ça, je perds pas seulement les élections. C'est toute ma carrière politique qui est fichue. Ce sera un miracle si on parvient à garder quelques clients pour nos agences. On ne pourra jamais vivre avec ce poids-là sur nos épaules. On n'aura pas la force. Si, on l'aura. On a bien eu la force de vivre la vie qu'on a aujourd'hui, malgré la mort de ton père. T'en as rien à foutre que Philippe soit mort. Tu t'en contrefiches qu'on ait été amants, avoue. En fait, tu t'es mariée avec lui pour son fric. Et toi, mon amour, qu'est-ce que tu as fait pour sauver Philippe ? Je t'ai vue devant son cadavre. Tu as abandonné ton amant comme une merde. Aurélia ? Aurélia ! Aurélia, Aurélia. Regarde-moi, regarde-moi. C'est pas possible. Qu'est-ce que t'as foutu encore ? C'est pas vrai. T'es venu d'un ou quoi ? Hein ? Aurélia ! Je suis pas bourrée ! Si ta mère te voit dans ces cas-là, elle te tue, hein, je te le dis. Tu fais chier, merde. T'as plus 15 ans. Bon, tu m'expliques à quoi tu joues ? Je sais pas. Ah non, tu vas pas t'en tirer comme ça. Qu'est-ce qui va pas ? C'est à cause d'Antoine ? Hein ? Tout va bien. On n'a pas le droit de faire la fête. Est-ce que tu peux être gonflante parfois ? Quand est-ce que maman rentre ? Demain. Elle a été obligée de rester à Paris pour un autre rendez-vous. Me dis pas que t'as fait tout ça pour emmerder ta mère. Oh, non. Putain, pourquoi c'est si compliqué entre vous ? Je crois que je suis en train de bousiller ma vie. Mais non, arrête. T'as toute la vie devant toi. Il y a des gens qui savent affronter la vie, d'autres pas. Je sais bien que je fais partie de ceux-là.
Et toi? Moi? Bah, je sais pas trop. Pas bon signe. En tout cas, maman, je sais de quel côté elle est. Moi aussi. Bon, allez, je vais finir de cuver chez moi. Je te ramène. Tu lui diras rien? T'es bête ou quoi? Je vais léguer tout ce qui appartenait à Philippe à une association humanitaire. Tu choisiras laquelle? Dénoncer. Vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Je leur ai fait gagner assez de fric comme ça, ils peuvent bien attendre un peu, merde. Philippe, on ne parle pas de quelques dizaines de milliers d'euros, mais de plus d'un demi-million. Et attends, comment voulais-tu que je devine que Bisou allait m'entuber? On était au lycée ensemble. Oui, je sais. Oui. Je suis trop naïf. Je ne te reproche rien. Bisou est un enfoiré, on trouvera bien le moyen de le coincer. Ce que je veux dire, c'est que cet argent, je l'ai et que je peux te le donner. Ou te le prêter. Ah non, c'est hors de question, ça. Mais pourquoi tu veux pas? Il faut que tu te réveilles, Philippe. Il est fini le temps des hommes stoïques qui luttaient tout seuls dans la tempête. Il va falloir que tu apprennes à vivre avec ton siècle. La barque, on la mène à deux.
Sans ton aide, je ne serais jamais arrivée à rien. C'est à mon tour de t'aider. Ça n'a rien à voir, je ne peux pas accepter. Voilà, c'est tout. Arrête tes poses chevaleresques à deux balles. De toute façon, je crois que tu n'as pas vraiment le choix. Comment c'est arrivé? Je crois pas que j'ai envie de te parler de ça. Non, je vais pas te forcer. Parlons d'autre chose. De toute façon, faut y aller. Il m'a sauvée. Il y a 6 mois, j'ai fait une tentative de suicide. C'est lui qui m'a sauvée. Voilà comment c'est arrivé entre lui et moi. Pourquoi tu m'as rien dit? C'est toi qui n'as rien vu. Comme d'habitude. Il t'a redonné le goût de vivre en te baisant, c'est ça? Pardon. Pardon, je... mais c'est vrai, j'ai rien vu, rien, comme d'habitude. Et moi qui croyais... Je suis pas la fille dont tu rêvais. Tu voulais une guerrière, comme toi. Une fille qui a peur de rien. Qui est jamais meilleure que quand le ciel lui tombe sur la tête. Je suis rien de tout ça. J'aurais tellement voulu que tu me consoles quand Antoine m'a quittée. Que tu sois pas aussi sarcastique. La vie était devenue tellement lugubre, monotone. Quand tu as été opérée de l'appendicite, j'ai annulé mon stage à Paris pour rester auprès de toi jusqu'à ce que tu sortes de l'hôpital. Même quand je rentrais très tard, je relisais toujours tes devoirs. Je n'ai raté qu'une seule fois ton anniversaire. Jusqu'à tes 17 ans, je n'ai pas passé un seul été sans toi. Jusqu'à ce que tu partes de la maison, je t'ai préparé ton petit déjeuner tous les matins. Je t'ai offert ta première voiture, alors que tu avais raté ton bac. J'ai lu tous les romans pour lesquels tu t'enflammais. J'ai gardé ton chat, alors que je suis allergique. J'ai convaincu Philippe que tu avais les capacités de diriger toute seule une agence. Je t'ai donné de l'argent chaque fois que tu en avais besoin, sans jamais te demander de te justifier. Tu sais tout ce que tu as fait pour moi. Je suis une fille ingrate, trop gâtée, c'est tout. Je ne te l'ai jamais dit. Ou alors il y a si longtemps. Je pensais que tu le savais. Je croyais que entre nous, ça n'était pas nécessaire, que on était au-dessus de ça. Mais j'aurais dû. Personne ne compte plus que toi. Personne. Et je voudrais pouvoir remercier Philippe de t'avoir sauvé la vie. Allons-y. Tu as été le grand amour de sa vie. Il se souvenait dans les moindres détails de votre première rencontre. Tu es gentille. On voudrait payer? Oui, la patronne va arriver. Pardon. Maman? Oui? C'est vrai que tu as failli avoir un autre enfant? C'est Philippe qui t'a raconté ça? Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Je t'aurais convaincu de le garder. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Et tu crois Philippe, j'imagine? Si tu le crois, tu me vois comme une salope d'ambitieuse qui a avorté pour sa carrière politique. Mais non, je veux savoir, c'est tout. Est-ce que tu peux comprendre que tu me suffisais? Que j'avais pas envie d'avoir un autre enfant que toi? J'aurais tellement aimé avoir un frère ou une... Eh ben fais-en un et arrête de nous emmerder!
Tu es sûr qu'on ne va pas le regretter? Écoute, on va pas à nouveau tout remettre en cause. On a pris une décision, on est trop vieux pour ça. Il aurait fallu qu'on se rencontre 10 ans plus tôt, voilà. Tu peux tout annuler? C'est bon, vas-y, hein? On peut pas rattraper le temps perdu. Allez, je t'attends. Évidemment. Et si en plus je gagne, ça fera taire de Ken et toute sa clique. Ils seront obligés de s'aligner et de me soutenir. Je me demandais où t'étais passé. Bon, je te rappelle. Sur moi. C'était Nicolas. Je croyais qu'on ne devait pas utiliser nos portables. Michaud se retire de la course. Trop de casseroles au cul, trop de magouilles. Il sait que c'est le tribunal qui l'attend. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? J'ai toutes mes chances pour la présidence du conseil. Et Todd me fait vraiment confiance, moi qui croyais qu'il allait choisir cette ordure de Duncan. Peut-être que ta mère sera un jour ministre. Tu imagines ça? Je suis contente pour toi. Mais aussi le cadavre de ton mari est en train de pourrir au fond d'un ravin, j'en suis sûre. Espèce de sale garce, c'est toi la garce. Philippe avait raison. Ta seule raison d'être, c'est ton ambition. Il crevait d'envie d'avoir un enfant de toi, mais tout ce qui compte pour toi, c'est ta gueule sur les affiches. Combien de fois t'as regretté de m'avoir eu? 20 fois, 100 fois, 500 fois. Jamais. Menteuse. T'es qu'une menteuse. Tu m'as jamais aimée. J'ai toujours été sans défense devant toi. J'ai toujours regretté aussitôt les méchancetés que je te disais. Mais toi, t'attaques sans te soucier de rien. Personne ne te fait pitié, ni sur le moment, ni jamais. Je pourrais arrêter toutes les guerres du monde, tu trouveras encore le moyen d'être déçue, j'en suis sûre. Alors, même si t'arrêtais de me dire « j'ai déjà vu mieux » ou... En voilà un événement. Tes yeux, ta bouche, tes mains le disent pour toi. J'ai tellement perdu confiance en moi que les faits te donnent raison. Tu m'as voué à l'échec. Tu mérites pas l'amour que j'ai pour toi. Pour une fois dans ta vie, reconnais-le. Tu fais une terrible confusion. Ta haine t'aveugle tellement que tu la prends pour de l'amour. Tu me hais au plus profond de ta chair. Après la mort de ton père, tu aurais voulu que je reste une femme au foyer inconsolable, c'est ça? Tu m'en veux d'avoir survécu, d'avoir triomphé du chagrin, d'avoir voulu que ma vie soit forte, audacieuse comme celle d'un homme, moi qui croyais que tu étais fière de ta mère. Dis tout de suite que je suis une sale misogyne. Appelle ça comme tu veux. Je suis enceinte. Et je vais le garder.
je cours à 8h demain. C'est vrai que l'amour, ça rend très con. Je déteste les filles vulgaires. C'est toi qui es vulgaire à te dandiner comme une gamine, là. Allez, on se calme, les filles. Allez, viens, viens, reviens. Petite danse avant de dormir. Mais tu te prends pour qui? On n'est pas potes. Fais pas attention. C'est une vraie peste en ce moment. Olivia, comment ça va? Quelle bonne surprise! Vous allez vous changer les idées de l'autre côté de l'eau? C'est exactement ça. Ah, la pression commence à être trop forte. Vous devinez tout, Jean-Luc. Alors, ma proposition, vous l'avez reconsidérée un peu plus sérieusement? Sans vouloir préjuger des résultats à venir, c'est une vraie chance pour vous, non? Hein? Avouez-le. Comme vous le dites si bien, ne préjugeons pas des résultats. On va pas se la jouer tous les deux. Vous savez que je sais que vous n'avez pas le choix. Laissez-moi être plus clair. Votre proposition, vous pouvez l'utiliser en suppositoire. Olivia, savoir qu'on va perdre et l'admettre est tout aussi remarquable que de ne jamais renoncer, même vaincu. Souvenez-vous-en. Bonne soirée. Il faut embarquer maintenant. Oui.
Pardon, je crois que je me suis trompé de porte. Pourrais-je faire quelque chose pour vous ? J'aimerais être magicien pour vous rendre heureuse. Mais je suis nul en tour de magie. Ces cabines sont vraiment lugubres. Même les fantômes les plus indulgents ne supporteraient pas d'y passer la nuit. Vous voulez pas qu'on aille boire un verre au restaurant ? Ne me prenez pas pour un vulgaire dragueur. Si je suis rentré dans votre cabine, c'est parce que j'avais la tête ailleurs. J'étais en train d'imaginer à quoi ressemblerait nos vies si personne ne mourait. Si JFK, Jules César étaient toujours vivants. Le premier Homo sapiens aussi. Ma mère et mon père. Nemo, mon premier chat. Romy Schneider. Ce serait pas simple. On serait plutôt serré. Non, ce serait pas simple. Ce serait merveilleux. Je ne serais pas là à m'apitoyer sur mon sort, à me ronger de douleur, à me demander comment j'aurais pu sauver mon mari. Et jamais vous ne seriez rentré dans ma cabine. Pardon de mon intrusion. Non, ne partez pas, je vous en prie. Pardonne-moi, maman. Je suis pas enceinte. J'ai cru que je te reverrais jamais. C'est toi qui as raison. Je t'en ai toujours voulu d'avoir eu envie de vivre après la mort de papa, d'être à nouveau amoureuse. Ah, tu reconnais ? Tu t'en souviens encore ? Mais ouh ! On a ta chanson. Tu peux plus te défiler maintenant. J'étais sûre qu'il trouverait pas, je suis piégée. Il est perdu le temps déjà où nous jouions, toi et moi, aux Indiens dans la forêt. Nous avions construit dans les bois une cabane de bois où nous allions nous cacher. Tu allumais du feu pour nous, tu t'appelais le roi des Sioux. On faisait la chasse aux oiseaux, on descendait les ruisseaux dans notre petit canot. Ensemble nous étions heureux, j'accrochais après nos jeux une plume à mes cheveux. On regardait le soir tomber et c'était avec regret qu'à la maison on rentrait. Il est perdu le temps déjà où nous jouions toi et moi aux Indiens dans la forêt.
fois j'ai bien envie, sur les sentiers de la vie, de revoir mon chef indien. Et quelques fois j'ai bien envie, sur les sentiers de la vie, de revoir mon chef indien. Et quelques fois j'ai bien envie, sur les sentiers de la vie, de revoir mon chef indien. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour de toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi. Je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi. T'en marcher, parler, coucher avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être une ombre parmi les ombres, et plus ombre cent fois, que cette ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. C'est ici que ton père m'a embrassée pour la première fois, j'avais 15 ans. Je me souviens encore de l'odeur de sa peau. Tu m'avais jamais dit? Oui, bon, j'étais moins fougueuse. J'aimais tellement ton père qu'il suffisait qu'il soit auprès de moi pour que je n'ai plus besoin de rien. Même de manger. Là, je me souviens. Tu nous faisais la cuisine, mais toi, tu te servais toujours des portions de moineau. S'il avait survécu, j'aurais pu continuer à me passer de tout et être la femme la plus heureuse du monde jusqu'à la fin de mes jours. Moi aussi. Sa mort a fait de moi un fantôme. J'ai eu tellement peur que tu t'en aperçoives que je me suis accrochée à la vie de toutes mes forces pour être capable de continuer pour toi. Tu m'as aidée. Maman? Oui? Ce sera notre secret à toutes les deux. Personne n'en saura jamais rien, je te le promets.
De quoi tu parles ? De Philippe. Je te pardonne. Mais est-ce que tu vas me pardonner ? De l'avoir poussé. De l'avoir... Complètement folle! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu peux m'expliquer? Philippe est mort! Fais attention, les rochers sont glissants. Aurélia m'a tout raconté. Si seulement je pouvais pleurer. Si c'est ce que tu souhaites aussi, je certifierai que vous êtes arrivé à la maison hier en fin d'après-midi. En arrivant, vous avez pu constater que... Vous me portez comme un charme, et pour vous le prouver, je me suis mis au fourneau pour vous concocter ma fameuse blanquette au cep. Arrête, Marcel. J'étais folle de croire que je pourrais m'en tirer. Tu n'es pas folle, tu l'as fait parce que tu aimes ta fille. Je l'ai fait surtout pour ma carrière. Ça aussi, je le comprends parfaitement. Ce que tu as fait est admirable, tu t'es battue comme une lionne pour cette vie. Je ne connais aucune autre femme qui ait défié à ce point la réalité, et elle ne t'a pas ménagé. Alors, oui, je comprends parfaitement que tu aies craint de voir ta carrière anéantie. Le contraire aurait été inquiétant. Félix serait fier de toi. Oui, mais c'est à cause d'elle si Philippe et Aurélia se sont aimés. Ni ta carrière, ni toi n'êtes responsable de ça. Ne commence pas à jouer les pleureuses. Tu vaux mieux que ça. Dans cette histoire, les seuls responsables... Donc Philippe et Aurélia, ils sont tous les deux adultes, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils l'ont voulu, ils l'ont fait. Aurélia n'est plus une petite fille, il serait temps que tu t'en aperçoives. Je ne suis pas sa mère. Qu'est-ce que tu racontes ? Si j'étais une vraie mère... Elle m'aurait cru quand je lui ai dit que la mort de Philippe était accidentelle. Sans confiance, il n'y a pas d'amour entre une mère et une fille. Pas d'amour tout court. Elle ne m'a pas cru. Je suis une mauvaise mère. Arrête, s'il te plaît. Aurélia est maintenant persuadée de ton innocence. Et elle m'en a convaincu. N'est-ce pas la meilleure preuve ? Il faut vous réconcilier.
Bon, si on se faisait un petit café, tu viens m'aider, Aurélia ? Merci, grand-père. Allez, hop. Il y a longtemps qu'on n'a pas valsé ensemble. Prépare-toi, après c'est ton tour. C'est ici que tu m'as appris à nager. Si tu savais comme je m'en veux de t'avoir cru coupable, tu pourras me pardonner?
Maman, pardonne-moi, s'il te plaît. À ta place, je l'aurais poussé. Quand j'ai découvert que tu fréquentais Philippe, tu peux pas imaginer à quel point j'ai souhaité sa mort. Alors, quand tu m'as dit hier que t'avais tout vu, tout entendu, je me suis imaginée à ta place. Je me suis vue folle de colère, pousser Philippe de toutes mes forces dans le vide. Pas un instant, je n'ai eu l'intention de me venger sur lui. Je voulais juste qu'il m'explique. En fait, si tu n'étais pas partie, je ne serais pas montrée. Et... mais c'est vrai, j'aurais dû être folle de rage. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas été. Je comprends mieux pourquoi tu m'as cru coupable. Ça, je peux te le pardonner. Je pourrais pas oublier que tu m'as trahi. Mais je t'ai pas trahi. Comment tu appelles ça? Comment tu appelles ce que tu m'as fait? Comprends-moi, maman. Quand on était ensemble, la vie nous faisait plus peur. On se reposait. Comme si... tous nos chagrins s'étaient noyés. L'univers tout entier était doux, tendre comme une caresse. Ça a été plus fort que nous. Au début, ça a été que de l'amitié, bien sûr. Puis au fur et à mesure, on a découvert qu'ensemble, on ne souffrait plus, qu'on pouvait... Arrête. Tais-toi, s'il te plaît. Alors pourquoi tu t'es pas jetée à son cou quand il t'a proposé de partir avec lui? À cause de toi. Ah oui? Pour ne pas me faire du mal? La vie n'aime pas les histoires simples. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va se séparer. On ne va plus se voir. Quoi? On ne pourra jamais oublier Philippe. Je ne suis pas magicienne, je ne peux pas nous ramener en arrière. Il n'y a pas besoin de magie. Notre amour est plus fort que tout. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu ne peux pas vivre sans moi. Je sais. Notre voyage prouve qu'on pourra continuer à vivre ensemble. On a traversé le pire. On n'a plus aucun secret l'une pour l'autre. Quel couple aurait supporté tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on s'est fait? Écoute, Aurélia, arrête. Tout à l'heure, j'ai failli t'étrangler. C'est toi qui avais raison. C'est trop lourd à porter. On n'aura pas la force, elle finira par nous manquer. Elle nous manque déjà. Chaque fois que je te verrai, je le verrai. Chaque fois que tu me verras, tu le verras. Le fantôme de Philippe finira par nous tuer toutes les deux. Il a déjà commencé. Je renonce. On ne peut plus se mentir. On doit se séparer. La vie, ce sera jamais d'être cruelle. Prends soin de toi, tu ne me reverras plus. Pense juste à m'envoyer ma lettre de licenciement.
Aurélia ? Je vais rentrer, je vais aller voir les gendarmes. Je prendrai le premier ferry demain matin. Tu crois que ça aussi, c'est vraiment nécessaire? Tu me donneras des nouvelles d'Aurélia? Bien sûr. Oui. C'est la gendarmerie. Le corps de Philippe a été retrouvé. Ils disent que, d'après les premières analyses, sa mort serait due à un accident de randonnée. Mais bon, je vais y aller. Tout va bien se passer. Ne te fais pas trop d'illusions. Quoi qu'il arrive, mon avenir politique est mort, lui aussi. Mais je m'en fous. Tu es ma lionne. Quoi qu'il arrive, les lionnes ne renoncent jamais. Je ne te laisse pas partir si tu ne me promets pas que tu continueras à te battre avec la réalité, à lui imposer tes rêves, à l'obliger à se plier à ta volonté. Je te le promets. J'y veillerai. Ne t'inquiète pas, je veillerai sur elle aussi.